Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter comme ça une bourse des États-Unis, voilà, et c'est une bourse comme ça qui est un peu reconnue, et chaque année, il y a des heureux qui obtiennent cette bourse-là pour aller y étudier. Alors, si vous êtes intéressé, voilà. Moi, je vous donne juste l'information et vous essayez vous-même de postuler. Et je le répète encore, ceux qui veulent qu'on suive les dossiers aussi peuvent nous faire signe pour qu'on puisse les aider à postuler. Voilà, donc, vous avez vu ici, ça, c'est à l'université de Oklahoma. Donc, les étudiants étrangers, ceux qui sont en licence ou bien en master aussi, peuvent postuler. Mais la bourse est vraiment dirigée sur ceux qui sont en licence. Voilà, donc dans un premier temps, on va d'abord vérifier nous-mêmes en ce qui concerne cette bourse-là. Et par rapport à cela, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on postule. Dans les normes, si vous voulez aussi, je vais rappeler rapidement, pour ceux qui veulent faire des cours d'anglais dans une université bien définie, voilà, avant de commencer les cours aux États-Unis, essayez de me contacter inbox. Je vais vous montrer l'université que vous devez contacter, ou bien on va suivre vos dossiers pour que vous puissiez au moins postuler dans une université où vous allez faire d'abord l'année de langue en anglais et après vous allez maintenant commencer à faire quoi? À étudier normalement. Donc ici, par exemple, pour ceux qui veulent étudier ici sans bourse, si vous voulez étudier ici sans bourse, vous arrivez là dans cours et vous allez voir que il y a l'espace qui est là sans bourse que vous pouvez déjà utiliser pour essayer de postuler. Voilà, donc ça va dépendre vraiment de vous. Si vous sentez que vous-même vous pouvez aller étudier là-bas sans une bourse, alors vous pouvez comme ça lire les éléments qui sont là et aller y étudier sans bourse. Maintenant, étant donné que nous faisons des cours, nous faisons des vidéos pour ceux qui cherchent à avoir absolument des bourses, alors nous, ce qu'on va faire, c'est pour juste avoir des bourses et aller y étudier. Et il y a des bourses qui sont à 100%, je dis bien 100%. Donc ici, vous voyez là, cours internationaux du premier cycle. Pour ceux qui ont déjà obtenu le bac et qui veulent étudier, voilà. Donc vous êtes un étudiant international du premier cycle. Directement, vous pouvez payer 53 122 $ et ce n'est pas permis à tout le monde. Alors donc, pour pouvoir postuler à la bourse, vous devez vraiment être attentif pour pouvoir mieux comprendre ce que je vais vous dire. Ici, si vous venez sur bourse d'études, vous allez voir un peu les critères de la bourse pour que vous puissiez au moins essayer de postuler et aller y étudier. Alors, si je viens ici, vous venez là dans la partie bourse d'études ici. Voilà, vous cliquez là et vous allez vous retrouver sur la plateforme où il y a les conditions et il y a aussi les critères de bourse. Voilà, donc nous, on va attendre un peu à ce que ça vienne. Maintenant, ici, je vous avais déjà dit que cours des non-résidents. Donc, voici les non-résidents ici. Voilà. Les non-résidents, les frais de scolarité sont à 22 140, vous voyez. Et les frais aussi, ils sont à 9 085 livres. Livres et fournitures à 800 $, logement et alimentation. Et je voulais rappeler encore, lorsque vous allez postuler comme ça, pour ceux qui doivent venir, dans un premier temps, lorsque vous allez postuler, vous allez voir que si vous êtes admis et que vous avez une lettre d'admission, vous allez comme ça utiliser cela seulement après avoir obtenu la lettre d'admission que vous allez postuler aussi pour le logement. Voilà, donc si vous devez appliquer ici, vous allez cliquer sur appliquer ici là. Ok, donc vous cliquez sur appliquer et pour appliquer, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments ici. Dans les normes, vous venez juste d'arriver, voilà, vous venez juste de postuler, alors vous allez cliquer sur freshman ici. Mais je vais vous montrer un peu en ce qui concerne des conditions pour que vous puissiez au moins voir comment ça se passe. Ici, c'est National Merit,
Voilà, ça, ce sont les bourses qui sont là. National Merit. Et ici, il y a United World. Ici, il y a International. Et puis, il y a quoi? Il y a autre ici. Donc, nous, ce que nous allons postuler ici, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas postuler pendant pour ces quatre bourses-là. Vous allez postuler sur la National Merit, mais ça va dépendre un peu de ce que vous allez choisir lorsque vous allez faire l'admission. Donc, si moi je viens ici par exemple, ici c'est pour les licences, ici c'est pour ceux qui ont eu la licence, ici c'est pour ceux qui veulent postuler pour la licence, et là c'est pour ceux qui ont eu la licence. Donc, moi je viens là sur Freshman, ici je considère que j'ai eu mon baccalauréat et je veux postuler pour la licence. Voilà, donc une fois que j'arrive là, je vais comme ça commencer maintenant à faire quoi? À essayer de voir comment ça se déroule et puis essayer de postuler. Donc ici on dit, nous sommes ravis que vous ayez choisi d'en savoir plus sur les opportunités, ok. Et ici, la bourse est ouverte depuis le 1er août. Voilà, la date limite d'admission aux actions précoces, c'est le 1er novembre. Voilà, donc la date limite, c'est le 1er novembre. Et pour postuler à la bourse, c'est le 15 décembre, la date limite. Voilà, donc vous devez prendre les dispositions pour pouvoir postuler rapidement. Et pour postuler, il y a toujours les trois phases. Ici, la phase d'application commune, ça c'est pour toutes les universités ou bien tous les étudiants qui veulent postuler dans une université là-bas en Amérique. Vous pouvez étudier ce qui est là ou bien vous étudiez ce qui est là. Mais pour postuler même dans l'université directement, vous pouvez aussi étudier ce qui est là. Voilà, donc nous, on va toujours prendre le fait de postuler dans l'université. Donc n'oubliez pas, c'est très important. Alors, je vais comme ça essayer de vous montrer quelques éléments. Comme ça, vous-même, vous allez essayer comme ça de postuler. Mais moi aussi, je vais vous aider à pouvoir le faire. Donc, si je viens sur ici, regardez très bien ici. Je vais vous montrer comme ça les éléments, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà, ce que vous allez faire est très simple. Vous allez postuler déjà à l'admission. Et lorsque vous avez l'admission, vous serez reconnu pour la bourse. Voilà, donc, essayez de prendre ces conditions-là. Donc, conditions d'admission et décision. Ici, je vais revenir tout à l'heure ici. Attendez un peu. Donc, je viens ici. Conditions d'admission et décision ici. Et en fonction de cela, je vais comme ça essayer de voir un peu comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler. Donc, ici, facteur dans la décision d'admission. Si vous avez bien remarqué, il y a toujours des éléments de acte et du SAT. Voilà, ça, ce sont des tests. Voilà, et donc ici, quels sont les critères qui ils vont se baser sur quoi pour pouvoir examiner vos dossiers? Il y aura des moyennes pondérées. Voilà, il y aura la rigueur de la sélection des cours. Il y aura aussi des scores ACT et puis SAT. Ça, je l'ai dit, ça, c'est pour des. Par exemple, si par exemple vous devez postuler dans une faculté et qu'il y a un test à faire. Voilà, vous allez passer le test pour que l'université ou bien la faculté puisse vous reconnaître. Maintenant ici, on dit toutes les candidatures sont également examinées pour les cours préparatoires au collège en anglais, mathématiques, sciences, études sociales, langues étrangères. Voilà, donc le comité de l'université et le personnel du bureau des admissions ont identifié un certain nombre de facteurs supplémentaires qui peuvent être pris en compte dans les décision d'admission et d'attribution de bourse d'excellence. Donc, ceci inclut excellence dans la réussite scolaire, voilà, les activités intellectuelles et les efforts créatifs. Voilà, donc voici, et puis aussi se baser sur ce qui est là, pour pouvoir vous faire, pour pouvoir vous remettre une bourse. Voilà, donc, ici, en ce qui concerne les tests, ou bien les notes du secondaire, tout ça, vous-même, vous pouvez voir rapidement en quoi est-ce que ça consiste. Vous pouvez voir aussi ici s'il y a des notes bien définies que l'étudiant doit avoir ou bien l'élève doit avoir et tout ça. Et ici, ils ont mis pour plus que tout autre facteur, les notes du secondaire jouent le rôle le plus important dans la détermination de la capacité d'un élève à concourir pour l'admission à l'université. En raison de la grande variété d'échelles de notation et de méthode de pondération, la moyenne commutative d'un étudiant sera mesurée par rapport aux moyennes commutatives obtenues. Voilà, donc tous les candidats à l'admission UGO et tous les candidats à l'admission du UO du lycée de l'élève. Voilà, donc en grosso modo, ça veut dire que les moyennes vraiment comptent. Donc essayez comme ça
de postuler, mais néanmoins, ils n'ont pas défini de moyenne. Vous avez bien vu. Donc, essayez de postuler, chacun a sa chance pour pouvoir obtenir ces bourses-là. Voilà, donc nous, on va essayer comme ça de postuler. Donc, pour postuler, on vient sur appliquer. Et appliquer là, quand vous venez sur appliquer, étant donné que vous êtes nouveau, vous allez cliquer sur Freshman ici. Voilà. Et arrivé là, vous allez comme ça cliquer sur application à l'université. Voilà, donc ici, vous allez appliquer pour une admission. Je mets en français pour que tout le monde soit sur les mêmes ondes. Voilà. Et ici, vous avez vu, on dit utilisateur connu. Ça, c'est lorsque vous avez déjà postulé. Utilisateur, nouveau utilisateur, nous sommes ici. Si vous n'avez jamais commencé une candidature premier cycle, créez un compte en tant que premier utilisateur. Donc, pour créer un compte, si vous avez déjà un compte, vous pouvez cliquer là. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer là pour créer ça. Si vous n'avez pas reçu de code PIN, veuillez ne pas créer un nouveau compte et de nouvelles candidatures. Les candidatures soumises entre le 1er et le 17 ne seront pas dans le système que le 19 août. Voilà, donc après cette date, veuillez prévoir au moins 48 heures après la soumission pour recevoir votre identifiant et votre code PIN. Donc, ceux qui vont postuler maintenant, à partir de maintenant, aujourd'hui c'est le 22, donc quand vous allez postuler, si vous ne recevez pas directement un code, ce n'est pas la peine de reprendre à postuler. Voilà, vous attendez juste. Voilà, et lorsque vous allez finir, vous allez recevoir un code et des identifiants. Vous allez recevoir un code et des identifiants 48 heures après, lorsque vous allez vous enregistrer. Voilà. Donc, essayez vraiment de considérer cela, ce que je viens juste de vous dire. C'est assez important. Voilà, donc nous, on va créer le code. Voilà. On va créer le code rapidement pour que ceux qui sont... Nous, on va commencer à créer notre compte pour que ceux qui sont intéressés puissent au moins essayer de postuler avec nous. Voilà. Donc, ici, si vous avez bien remarqué, il y a ici, premier utilisateur, créer un compte. Je vais créer le compte ici. Donc, je clique sur créer un compte. Et ici, je vais mettre mon email. Je vais mettre comme ça, ce mail-là. Essayez de postuler. Vous n'avez vraiment rien à perdre. C'est assez important. Voilà. Ce sont des bourses qui sont vraiment à 100%. Et il y a vraiment une grosse somme à gagner. Donc, si vous êtes intéressé, essayez de postuler. C'est un peu technique, mais essayez quand même de postuler. Donc, ici, gmail.com, mon prénom, je vais prendre comme ça. Nous, et mon nom de famille, je vais prendre Fico. Ok, à la date de naissance, étant donné que je viens pour la licence, je vais considérer que je suis né, par exemple, comme ça, en 2008. Si je suis né en 2008, avec 2023, c'est 15 ans, c'est pas bon. Je suis né en 2006. Ok. Ou bien je suis né en 2005. Je vais prendre 2005. Donc février ici. Ok. 4 février 2005. Je considère que je suis né en 2005. Ça va m'arranger un peu. Ok. Donc, je continue rapidement. N'oubliez pas, si vous ne recevez pas de code, c'est pas un problème. Dans 48 heures, vous allez recevoir un code. C'est-à-dire dans 2 jours. Donc, lorsque vous finissez de vous enregistrer, que vous ne recevez pas, ne reprenez pas comment on appelle ça, l'admission. Ne créez pas encore de compte. Non, vous attendez juste. Dans 48 heures, vous allez recevoir tout ça. Ok, donc ici, former, je vais mettre en français pour tout le monde, c'est mieux comme ça. Donc, ici, on nous dit quoi? Ancien nom de famille utilisé uniquement, ça c'est pas la peine. Suffixe 1, 2, 3, c'est pas la peine. Date de naissance, on a déjà mis. Le sexe, c'est masculin. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Lycéen actuellement. Donc, nous, on considère qu'on a déjà obtenu notre bac. Voilà. Diplômé de secondaire sans crédit universitaire obtenu après l'obtention de son diplôme. Ici, étudiant intéressé à transférer. Ancien de. Non. Étudiant titulaire d'un diplôme de secondaire à la recherche de cours complémentaires de premier cycle non diplômant. Ici, étudiant d'un baccalauréat à la recherche, non. Étudiant
Voilà, donc nous on va prendre étudiant d'un diplôme, étudiant titulaire d'un diplôme de secondaire à la recherche de cours supplémentaires du premier cycle non diplômant. Ça ne nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. Voilà, on va essayer de voir diplômé du secondaire sans crédit universitaire après l'obtention de son diplôme. Donc on est ici diplômé du secondaire. En quelle année avez-vous ou allez-vous obtenir votre diplôme du secondaire? Donc je considère que je l'ai obtenu en 2022. J'ai obtenu en 2022 ici. Quand commencerez-vous le cours du premier cycle à l'université? Si vous êtes actuellement au lycée, ça sera le premier trimestre de votre année. Donc, nous, étant donné qu'on n'a pas, on a déjà obtenu le diplôme, alors on va prendre la date qui est un peu plus proche. C'est quelle date? C'est ici, c'est printemps 2023. Ici, c'est automne 2023. Voilà, nous, on peut pas prendre ça. Donc, on va prendre printemps 2024. Voilà, on prend printemps 2024 ou bien été 2024. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Donc, moi, je prends printemps 2024. Ok, et une fois que j'ai fini de faire ça, s'il y a un souci, ils vont me dire, donc c'est pas un problème, et je vais soumettre ici. S'il y a un problème directement ici, ils vont me signaler cela pour que je puisse aller voir. Donc ici, vous avez vu, si vous avez déjà configuré ça, cliquez ici pour vous connecter avec l'identité. Maintenant, si on dit un code PIN temporaire a été envoyé à votre adresse email, c'est de ça que je t'entends parler. Si vous ne recevez pas ce message dans les prochaines minutes, veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable. Donc, si vous ne trouvez pas, veuillez vérifier votre spam. Donc, le code temporaire, on doit mettre le code temporaire pour se connecter et aller maintenant essayer de postuler à l'admission. Ça, on vient juste de créer le truc. Donc, moi, je vais aller directement pour aller voir si j'ai reçu. Ok, donc je viens dans mon mail et j'arrive dans mon mail et je vois que j'ai reçu le code temporaire ici. Voilà. Et c'est signalé que ils ont dit que si vous ne recevez pas normalement ici, vous pouvez venir là. Regardez là. Voici courrier indésirable. C'est ce qu'on appelle spam. Donc dans le spam, si vous ne recevez pas normalement, vous pouvez cliquer sur le spam qui est là. Vous allez voir que ce message-là va se retrouver ici. Voilà, donc c'est assez important, n'oubliez pas. Donc moi, ce que je fais, je vais copier mon code. Voilà, je copie mon code ici. Et je viens sur la plateforme. Ici, voilà, je mets ce code-là ici. Je répète encore, si vous ne recevez pas directement, attendez un peu jusqu'à 48 heures pour pouvoir recevoir. Maintenant, si vous recevez directement, vous faites comme moi et puis vous avancez. Donc, la date de naissance, j'avais pris quoi? J'avais pris février. J'avais pris le 4 février, je crois. Le 4 février. Et j'ai pris 2005. Ok. Donc, maintenant, je vais juste se connecter. S'il y a un souci, ils vont me dire qu'il y a un souci et je vais devoir répondre. Voilà, ça va. Il n'y a pas de problème. Ok, donc on me demande maintenant de créer mon mot de passe. On dit le mot de passe doit avoir au moins une lettre. Ok, doit avoir au moins une lettre majuscule, doit avoir au moins un nombre et doit être au moins de 12 caractères. Ok, 12 caractères. Alors, ce que moi je vais prendre un truc qui est assez simple. Voilà, donc je vais commencer par une lettre majuscule. Ok. Ok, une lettre majuscule. Ok, on est 12 caractères, alors je vais. On est 12 caractères, alors. Ok, maintenant ça reste celui-là, c'est ce qui doit marcher, c'est ce qui doit matcher, donc je mets ça. Ok, donc vous voyez, ça passe, tout est en vert, alors je peux créer maintenant mon mot de passe tranquillement et sans problème. Donc, je vais enregistrer mon mot de passe. Ok, et voilà, maintenant je dois créer mon application. Donc ici
On me dit que, je vais mettre en français, voilà pour tout le monde. La candidature de première année était automne pour les diplômés de secondaire en juin 2024 ou avant, ouvrant le 1er août 2023. C'est-à-dire que c'est déjà ouvert. Ne démarrez pas de candidature avant cette date si c'est la candidature dont vous avez besoin. Donc, comme j'avais déjà choisi ce qui est là, si vous avez bien remarqué, on me dit que les candidatures ont démarré depuis le 1er août 2023. Donc, moi, c'est de ça que moi j'ai besoin. Donc, je vais commencer déjà à créer ma candidature et essayer maintenant d'aller faire quoi? Chercher à postuler pour pouvoir recevoir une admission et une bourse. Donc, je vais cliquer sur démarrer une nouvelle application. Donc, je clique sur démarrer une nouvelle application et je vais voir, il y a une multitude d'éléments que je dois vraiment essayer de choisir et essayer de postuler rapidement. Voilà, donc moi je vous laisse ici et je crois que c'est assez facile, mais vous pouvez faire tranquillement, vous pouvez remplir directement et soumettre, donc c'est pas un problème. Et donc les gars, c'était moi Samos Pita et je vous laisse là, essayez de terminer et puis si vous avez des commentaires ou bien des questions, posez-les en commentaire, je vais essayer de vous répondre. À plus les gars.